Catherine Legoix a dû fuir Paris insurgé après avoir vainement tenté de sauver Michel de Montsalvi, mis à mort par le boucher Legoix, oncle de la jeune fille. Réfugiée en Bourgogne, elle séduit le duc Philippe, mais au hasard des chemins, elle rencontre le frère de Michel, Arnaud de Montsalvi. Ensemble, ils vivent le martyre de Jeanne d'Arc qui révèle leur amour. Arnaud épouse Catherine, ils rentrent à Montsalvi, où le destin les attend. Arnaud est atteint de la lèpre et doit rejoindre les autres réprouvés. Une nuit, croyant Catherine infidèle, il s'échappe pour gagner Compostelle. Mais sur la route, il est enlevé et guéri par la sœur du calife de Grenade, Zobéida. Prévenue, Catherine se lance sur leurs traces. À Grenade, elle réussit à pénétrer dans le harem du calife qui, séduit, en fait sa favorite. Elle a retrouvé Arnaud, mais Zobéida les surprend. Et pour sauver Catherine, Arnaud la poignarde. Il est condamné à mourir sous la torture, à moins que Catherine ne le tue de sa propre main. Le jour du supplice, Mansour, le rival du calife, Jacques Coeur et Abou interviennent. Sauvés, Arnaud et Catherine vont s'embarquer à Almeria après avoir dit adieu à Abou. Un an passe. À Montsalvi, on fête le baptême d'Isabelle, la fille de Catherine et d'Arnaud. Pourtant, Arnaud doit partir, car Paris est toujours aux mains des Anglais. À Montsalvi, seuls vont rester l'abbé Bernard et les femmes. Regardez, dame Catherine. Ce sont les hommes de Villandrado. Et je jurerais que Gervais Malfray est avec eux. Rentrons vite, ils nous ont vus. Villandrado, vous en êtes certaine? Il n'y a aucun doute, hélas. C'est étrange. On l'a signalé cet hiver en Limousin. On a dit ensuite qu'il était descendu vers la vallée de l'Allier et s'était installé à l'abbaye de Saint-Oursin. Ce pays a encore bien des ressources. Alors, que vient-il chercher dans nos montagnes? Il a dû éviter Aurillac, sinon les consuls lui auraient résisté. À moins qu'il n'ait choisi de payer. Ce qui serait la sagesse, d'ailleurs. Mieux vaut bourse plate que ville pillée. S'il marche à présent sur mon service, ce n'est pas sans raison. La raison, elle est très simple, mon père. Villandrado a appris que messire Arnaud était parti à Paris avec le chevalier Auvergnat et qu'il ne restait ici que vous-même et des femmes. Il est bien informé. Et je peux dire par qui? Gervais Malfrat. Je sais, moi, l'avons vu sur le chemin de Ponce. Ce malfaisant! Oh, Notre-Dame! Pourquoi l'avez-vous laissé vivre après tout le mal qu'il a fait à tous? Et à ma pauvre petite Bertie. J'espérais que Dieu s'en chargerait, Gobert. Que le froid ou les loups feraient justice. Pour ce genre de choses, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Voilà à présent qu'il revient, le maudit. Dame Catherine, quelqu'un demande à vous parler. Qui? Le Castillan, il est à la porte du Nord. Il faut savoir ce qu'il veut. Enfin, je vous revois, belle Catherine. C'est une joie que je me promettais depuis longtemps. Mais que je ne partage pas. Que voulez-vous? Est-ce là votre hospitalité? Porte close, tous vos manants, remparts et le tocsin par-dessus le marché. Que pouviez-vous attendre de plus? Vous venez de brûler un de mes villages. Belle dame, nous sommes en guerre. Il faut bien que les troupes vivent. La guerre n'est pas ici, capitaine. C'est à Paris que l'on se bat. Et je vous croyais au service du roi de France. Oh, j'y suis toujours. Mais il faut bien que quelqu'un se charge des postes anglais qui poursuivent la résistance.
Mais j'avoue que ces temps-ci, je suis aussi un peu à mon propre service. Les soldats coûtent cher. Tout cela est sans intérêt pour nous. Dites-nous une bonne fois ce que vous venez chercher ici. Je ne viens rien chercher. Mais vous offrir ma protection. Mettre encore une fois mon épée à votre service. Aujourd'hui, j'apprends que votre époux a suivi le connétable de Richemont, qu'il vous a laissé seul au château avec un carteron de femmes, une poignée d'hommes et de jeunes enfants. Avec moi aussi. Je suis co-seigneur de Montsalvi, vous semblez l'oublier. Comme vous oubliez que mon abbaye est forte et que mes moines savent se battre. Mais pourquoi se battre ? Je serai volontiers co-seigneur de Montsalvi quand ce malheureux comte aura cessé de vivre, ce qui ne saurait tarder. Pourquoi devrait-il mourir ? Oh, j'ai souvent des intuitions de ce genre. Je serais fort étonné que Messire Arnaud revienne de Paris. Quittez immédiatement cette maison et ce pays où nul ne vous réclame. Demandez pardon à Dieu pour tous vos crimes. Et rentrez dans le droit chemin, chez vous, en Espagne. Vous n'auriez jamais dû sortir. Vous êtes ennuyeux. C'est très coûteux et cruel, un siège. Voulez-vous vraiment tenter l'expérience? Allez-vous-en, Joss. Raccompagnez cet homme. C'était déjà trop d'une fois, carlate, belle dame. Cette fois-ci, vous allez le regretter. J'ai dit sortez ! Voilà un mot que vous ne direz pas toujours. Bientôt, vous me supplierez d'entrer, au contraire, et nous verrons alors qui est le maître dans ce château. Et dans votre lit. Dehors ! Du calme, l'ami. Je pars. Nous allons avoir de l'ouvrage, Dame Catherine. Montsalvi saura se défendre, mon père. Faites réunir le conseil du village. Déranger ce soir? Non, il est sorti ce matin. Mais cette fois, il n'est pas rentré et il ne le pourra plus. Oh, le pauvre petit. Tu ne manges pas? Qu'as-tu donc? Il me tourmente pour Béranger. Peut bien être ce gamin et quel besoin avait-il de retourner à la rivière après son exploit d'hier? Tu t'imagines vraiment qu'il a une passion pour la pêche? Et tu sais pourtant bien qu'il est poète avant d'être pêcheur. Ce qui signifie? Qu'au bord du Lot, il y a le castel de Montarnal. Que la demoiselle de Montarnal, dont les paupières se relèvent si rarement, cache dessous des yeux de braise. Et sous son caraco, de quoi faire rêver même un coureur d'étoiles. Allons, tu n'as pas compris? Ton Béranger est amoureux. Oh, ça alors, mais tu aurais pu me le dire. Pourquoi l'aurait-elle dit? Il a bien le droit d'être amoureux, ce gamin. Seulement, il risque de le payer cher. J'espère seulement que quand il reviendra à Montsalvi, il comprendra ce qui s'y passe et qu'il prendra le large. Des nouvelles, mon père? Montsalvi tiendra tête à Villandrado. L'Assemblée des notables a décidé d'envoyer quelqu'un à Carla pour demander du secours. Vous savez que l'épouse de Cadet Bernard s'y est installée pendant que son époux guerroie. Elle a une forte garnison, bien entraînée. Elle n'hésitera pas à nous envoyer du secours. Mais comment voulez-vous envoyer un messager? Les routiers nous tiennent ici comme dans un piège. Un souterrain. Un souterrain relie ce château à la campagne. Il a été creusé tout exprès pour une occasion comme celle-ci. Le messager va partir. Ce sera le frère Antime. L'un de vos moines? Mais pourquoi? Justement, parce que c'est un moine. Sa robe est de celle que l'on respecte généralement, même un bandit comme Villandrado. Catherine, c'est Béranger. Béranger? Oui, Béranger de Roquemorel, ton page, il nous amène du secours. Viens vite, ça vaut d'être vu. Béranger, vous voilà fait. Ah, ne vous moquez pas, Dame Catherine. C'est un rude combattant.
Avec une poignée d'hommes seulement, il a réussi à rentrer par la poterne de l'étang et tromper les défenses de l'ennemi. Dame Catherine, j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Très mauvaise. Dites. Eh bien, cette nuit, quand on est arrivé sous Montsalvi, on s'est caché. Et j'avais dans l'idée de rentrer par le souterrain, mais... j'ai vu le frère Antime en sortir et des hommes, guidés par Gervais Malfrat, lui sauter dessus. Il l'attendait? Exactement. Et... ils l'ont pendu. Si Gervais Malfrat est au courant de tous nos projets, c'est qu'il y a un traître dans Montsalvi. C'est impossible. Je dis qu'il y a quelqu'un dans Montsalvi qui renseigne Gervais Malfrat, donc Vilandrado, et qui donc est responsable de la mort de frère Antime. Il faut démasquer ce traître et vite. Avec votre permission, Dame Catherine, je vais m'en occuper sans plus tarder. Qu'allez-vous faire, Gobert? J'ai mon idée là-dessus. J'ai une question à te poser. À moi? C'est pas souvent que vous me faites cet honneur, Gobert. Et là, on me dit dame, Gobert. On a dit le même âge, ni gardé les cochons ensemble, les deux. Dis-moi un peu quand c'est que tu l'as vu pour la dernière fois, Gervais Malfrat. Le même jour que vous. Un jour d'hiver, par le gel et la neige, quand notre précieuse dame de Montsalvi l'a fait jeter dehors à coup de fouet, dans l'espoir qu'un loup s'en chargerait. Dis donc, j'aime pas beaucoup ta façon de parler de notre maîtresse. T'es jamais qu'une chétive brodeuse de dentelle qu'on a la bonté de charger des travaux fins au château. Et elle... Et elle, c'est madame la comtesse, je sais. Mais si elle est comtesse, c'est parce que monsieur Arnaud a été assez fou pour l'épouser. Vous croyez qu'on ne sait pas quelle est la fille d'un orfèvre? Mais elle s'en est jamais cachée. Et je vais te dire ce que tu lui reproches le plus. C'est l'amour de monsieur Arnaud. Ah, lui en as-tu assez fait, hein? Des sourires et des yeux en coulisses à notre bon seigneur. Tu crois que je t'ai pas envie de dénouer le ruban de ton corsage avant de faire la révérence pour qu'il voit ce qu'il y avait dedans? Et alors? Je suis une jolie fille et je lui plais. Mais quand il en aura assez, ta blondasse de femme... Ouah, si je savais pas que ta pauvre défunte mère était une sainte femme, Lazalaïs, je dirais que t'as été engendrée par une truie. Et maintenant, tu vas me répondre. Quand as-tu vu Gervais Malfrat pour la dernière fois? Mais pourquoi l'aurais-je vu? Parce qu'à défaut de messire Arnaud, tu t'en contentais bien du Malfrat, hein? Peut-être que c'est pas pour toi qu'il a abandonné ma pauvre petite Bertie. Ah, tu vas parler, dis, ou je t'étrangle, foi de Gobert. Il y a trop longtemps que ça me démarre. Que faites-vous d'aller regarder? Séparez-les. Qu'est-ce qui vous a pris, Gobert? Je suis sûre que c'est elle qui renseigne le Malfrat. J'en mettrai ma main au feu et ma tête à couper. Ça, je m'en chargerai volontiers, espèce de sale garçon. Ah, taisez-vous, Azalaïs. Si votre conduite était aussi parfaite que votre dentelle, personne ne songera à vous attaquer. Ah! Lâchez-la. On pourrait peut-être en parler de la vôtre conduite, dame Catherine. On sait des choses. Lesquelles? Ceci, entre autres. L'homme qui nous assiège, c'est parce qu'il vous veut. Alors pourquoi n'allez-vous pas le rejoindre? Ça ne vous ferait jamais qu'un amant de plus. Et ça évitera de faire tuer tous les hommes d'ici. Bon sang, ce coup-ci, je l'étrangle. Moi, je te peux te sauver, va. Je t'aurai Gata. Ça va. J'ai grande confiance dans le jugement de Gobert. Elle a la tête la mieux faite de tout le village. Sans doute. Mais je redoute qu'elle ne se laisse emporter par la rancune. Elle ne pardonne pas à Azalaïs la mort de Bertille. Avec quelques raisons. Cette fille a tout fait pour attirer Malfrat à elle. Il était le coq du village. Elle n'a pas supporté qu'il soit pas à ses pieds. En tout cas, si elle déteste Catherine, c'est bien parce qu'elle n'a pas eu de succès auprès de messire Arnaud. Marie, voilà que vous vous mettez à cancaner. Vous. Pardonnez-moi, mais je ne peux m'empêcher de détester cette fille. Une chose est certaine, elle était ici le jour où le Castillan est venu. Elle a pu entendre ce qu'il disait. Oui, mais pas ce qui a été dit à l'Assemblée. Quand on a décidé d'envoyer le frère Antime, là, elle n'y était pas. Que tu es naïf. Ils ont tous confiance en leur femme, ils ont dû parler. Ce soir-là, Azalaïs soupait chez Auguste Malvezin, le cirier. Je me suis renseignée. Si nous voulons en avoir le cœur net, le seul moyen est de tendre un piège à Gervais Malfrat.
et à Azalaïs. Mais comment? La nuit prochaine, nous enverrons un autre messager par le souterrain. Azalaïs t'apprendra. Je m'en charge. Marie, cette fille est maligne, certainement dangereuse. Méfie-toi bien. N'aie pas peur, Joss. Quand j'étais au milieu des femmes du calife de Grenade, j'étais comme aujourd'hui celle qui ne fait jamais de bruit. Et pourtant, je savais tout. Mais je ne donnais à savoir que ce qui me plaisait. La belle Zora me prenait pour une fille un peu simple d'esprit. Et je crois bien que c'est l'effet que je produis sur Azalaïs. Mais vous feriez mieux de me croire. J'ai entendu le chef des routiers dire que Messire Arnaud n'en reviendrait pas. Alors, pourquoi est-ce que vos hommes vont se battre? Quoi, Jeannette? Le jeune comte? Mais avant qu'il puisse nous défendre, on sera déjà tous au cimetière. S'il reste encore quelqu'un pour nous enterrer. Maintenant, si ça vous amuse de vous faire tuer ou violer, ou peut-être même les deux, tout ça pour les beaux yeux de Dame Catherine, ça vous regarde. Moi, ça m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que vous avez à crier comme ça, Azalaïs? On vous entend depuis l'abbaye. Et alors, on ne peut plus parler, non? Et on ne peut plus crier si ça nous chante? C'est une bonne façon de se prouver qu'on existe, non? Ce qui pourrait bien ne pas durer très longtemps. Pourquoi? Pourquoi? Mais vous savez pas qu'il y a une armée de routiers qui nous assiège? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Quand ils auront pris la ville, enfoncer les portes et envahir les maisons? Ça vous plairait, Marie Rallard, d'être violée par une bonne centaine de soudards? Puis en levant et couvert de sang. Vous en avez une imagination. Ça n'arrivera jamais. Ah oui? Et qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Seul Messire Arnaud pourrait nous tirer de là. Et le Castillon a dit qu'il ne reviendrait pas. Mais on peut encore trouver du secours. De Carlat ou d'Aurillac? Ça n'est pas si loin. Mais comment est-ce qu'ils vont le savoir, à Carlat ou à Aurillac, qu'on a besoin de secours? Les routiers ont pris notre messager. Et alors? Ils n'ont pas pris toute la ville? Moi, je vous dis qu'on en aura du secours. Et bientôt, voyez-vous ça? Vous lisez dans les astres maintenant? Non. Mais je sais que cette nuit même, un nouvel émissaire partira d'ici par le souterrain du château. Alors, vous voyez? Ça ne marchera pas plus que la dernière fois. On perd notre temps. Oh, et puis vous commencez à m'agacer. Vous n'êtes qu'une tête de mule avec un cœur de lièvre. Laisse-moi jouer le rôle de lapin. Tu veux sortir le premier? Oui. Pour une fois, je vais être le premier. Messire Arnaud t'a confié le château, et moi, je suis sous tes ordres. Alors, je vais faire ça pour lui. Et puis toi, t'as une femme, et moi, j'ai personne. Vas-y, Fortuna. Et bonne chance. Alors, Gervais, on est content de retrouver les vieux amis, hein? J'ai idée qu'on va passer un bon moment à causer au coin du feu. Non! Non! Laissez-moi! Non! Non! Grâce. Par pitié, ne me tuez pas. Une fois déjà, je t'ai fait grâce.
Et c'était une fois de trop, puisque tu nous as ramené Vilandrado et sa bande. Ils m'ont pris. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre qu'obéir? Et trahir? Et livrer le secret du souterrain? Et laisser assassiner le frère Antim? Mais qu'est-ce que je pouvais faire tout seul? Ces routiers sont terribles. Les trouvais-tu si terribles l'autre jour près de Ponce? Quand tu nous as dénoncé à leur chef, Joss et moi? Bon, c'est vrai, je vous en voulais, mais c'était normal. Je sais que vous êtes bonne et généreuse. Laissez-moi vivre. Je vous jure que vous ne le regretterez pas. Je n'ai plus le droit de te faire grâce. Tu as fait trop de mal. Aucun des hommes ici présents ne l'accepterait. Tu es ici uniquement pour répondre à nos questions. Pourquoi j'y répondrai à vos questions? Est-ce que vous me tuerez tout de même? Il y a 1000 façons de mourir. Je peux t'accorder une mort rapide. Décider qu'elle ne viendra qu'après une éternité de souffrance. La torture. Allons donc, pas vous. Tout le monde ici sait très bien que vous l'avez en horreur. Ne t'y fie pas. Es-tu prêt à répondre à nos questions? Qu'est-ce que vous voulez savoir? D'abord, le nom de ton complice. Quelqu'un ici te renseignait, sinon le frère Antime ne serait pas mort. C'est Azalaïs. Elle m'envoyait des messages par-dessus le rempart. C'est bien ce que nous pensions. À présent, la seconde question. Vilandrado prétend que Messire Arnaud ne reviendra jamais. Je veux savoir ce qu'il trame pour en être tellement certain. Et comment voulez-vous que je le sache? Je ne suis pas appelé à son conseil. Il se trouve qu'Azalaïs est au courant, elle aussi. Alors réponds. Sinon, je te livre à Martin. Non, je vais vous le dire. Miguel est parti pour Paris. L'écuyer du Castillon. Pourquoi faire? Il doit ramener Messire Arnaud. Quand Vilandrado le tiendra, il n'aura aucune peine à obtenir la capitulation de la ville. Après, bien sûr, il le tuera. Comme ça, il aura Montsalvi et la dame. Il est fou, le Castillon! S'il s'imagine que Messire Arnaud va se laisser ramener comme ça. N'ayant jamais eu à se louer de Vilandrado, le comte de Montsalvi risque de recevoir fort mal son lieutenant. Pas sûr. Miguel est habile. Il va dire qu'il a quitté son maître parce que l'autre a refusé de lui donner sa part. Et que même il a frappé quand il a insisté. Sa part de quoi? Du pillage de Montsalvi. Il va dire que le Castillon est entré ici en vainqueur. Et que lui, pour se venger, il a couru prévenir le légitime seigneur. Arnaud éventera la ruse. Quand il s'agit de faire parler à un homme, il sait s'y prendre. Et il sait bien que Montsalvi est une place forte capable de tenir un siège pendant des mois. Sauf si quelqu'un a ouvert une porte. Quelqu'un? Azalaïs? Miguel se moque bien d'Azalaïs. Non. Il dira que c'est vous. Que vous êtes devenue la maîtresse de Vilandrado. Non, laissez-le. Et pour ça, du moins, ce n'est pas lui le coupable. Alors enculez! Je l'ordonne! Remettez-vous, Dame Catherine. Une fable aussi inepte n'a aucune chance d'être copée par votre époux. Sauf si on lui met une preuve sous le nez. Mais quelle preuve? Votre plus belle chemise, Dame Catherine. Et aussi une lettre. Azalaïs sait très bien imiter une écriture. Croyez-moi, il n'aura pas l'ombre d'un doute. On est tous ici. Aidez-moi à sortir. J'ai besoin de respirer l'air de la montagne. Tu as déjà bien parlé, Gervais. Mais j'ai encore quelques questions à te poser. Hey! Tu me vois, que me veux-tu? J'ai des choses à vous dire. Moi aussi, il se pourrait que j'ai des choses à te dire. Qui es-tu, bel enfant? On m'appelle Azalaïs, la dentelière. C'est moi qui renseigne Gervais Malfrat. Mais voilà qui mérite considération.
Tu m'as bien servi, la belle. Et tu viens réclamer ta récompense? On m'a dit que vous voulez tuer Messire Arnaud quand vous l'aurez dans vos mains. Je n'y manquerai pas. Laissez-le moi. Et tuez plutôt sa salope de femme. Quand elle ne sera plus là, je serai sûre de l'avoir pour moi. Tu l'aimes? Je sais pas, mais je sais que je le veux. Malheureusement, moi, c'est elle que je veux. Pas seulement sa fortune? Je veux tout. La fortune et la femme. Écoute, je voudrais te faire plaisir. Je ne le tuerai pas. Je vous enverrai tous les deux assez loin d'ici, sous bonne escorte. Vous êtes l'homme que j'admire le plus au monde. Alors prouve-le-moi. Ça nous aidera à patienter tous les deux. Quelqu'un sans lieu d'ici est en train de me perdre dans l'esprit d'Arnaud. De l'attirer dans un piège. Tu me conseilles de rester calme? Il faut pourtant que vous vous efforciez de l'être. Ne fût-ce que pour m'écouter. Avez-vous encore une fois trouvé les mots qui consolent mon père? Peut-être. Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. Il n'existe au monde qu'une seule personne capable de confondre Miguel et ses mensonges. C'est vous. Il faut que vous alliez à Paris. Perdez-vous l'esprit. Oubliez-vous que nous sommes pris au piège, que personne ne peut sortir d'ici. Sinon, croyez bien que je serais déjà partie. Voulez-vous, s'il vous plaît, m'écouter en silence? Vous allez partir. Oui. Mais vous ne quitterez pas Montsalvi seul. Sarah, les enfants et Béranger partiront avec vous. Mais seul Béranger vous escortera à Paris. Sarah et les enfants resteront à Carla où ils seront en sûreté. Parce qu'ici, nous ne sommes pas en sûreté. Vous savez très bien que non. Pendant votre absence, la ville peut tomber. Joss et moi la défendrons de notre mieux, mais à la fin, le Castillan peut se montrer le plus fort. Il cherchera vos enfants, immédiatement. Mais quels meilleurs otages pourrait-il souhaiter? Je vous promets que Montsalvi résistera jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Êtes-vous d'accord? Oh, tout à fait. Dès que vous nous aurez donné des ailes pour sortir d'ici. Venez avec moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Moi aussi, Joss. Vous devez savoir, si je venais à disparaître, prenez garde à ne pas tomber. Nous sommes sous l'abbaye. Nous sommes exactement sous l'église. En ce cas, pourquoi ne pas avoir utilisé ce souterrain pour demander du secours? Parce qu'il n'était plus praticable. Depuis l'arrivée des routiers, nous avons travaillé toutes les nuits, le frère Zeb et moi, pour le déblayer. Et puis parce que le secret de ce passage en contient un autre, que les abbés de Montsalvi lèguent à leur successeur au lieu de mort. Un secret? Regardez. Une chapelle. Préparée pour nous par le frère Zeb. Mon Dieu, mais elle est aussi ancienne que la chrétienté. Cette chapelle a été creusée dans le roc il y a bien longtemps, pour la plus insigne relique. La niche contenait un vase d'argent bien simple, un gobelet presque ordinaire. Mais c'était celui dans lequel, au soir de la scène, le Christ. Le Saint Graal? Les légendes lui ont donné ce nom, en effet. Mais alors, Gobert a raison. Elle dit que les vieux du village racontent l'histoire du Saint Graal à leur manière, en affirmant qu'il est passé à Montsalvi. Ce n'a pas été un passage. Nous sommes le Mont Salva de la légende, la montagne du salut. Le Graal est resté ici près de 300 ans. Mais comment y était-il venu? C'est une longue et belle histoire. Un soir de décembre 999, alors que le monde attendait avec terreur que sonne l'an 1000, un voyageur est arrivé ici. Il se nommait Mandulf. C'était un enfant du pays et il venait de Rome. Il portait le Graal. Et c'est lui qui a creusé cette chapelle? Oui. Il choisit l'ancien oppidum romain, dont les ruines achevaient de crouler au puits de l'arbre, les releva et en fit une puissante forteresse.
Sous cette forteresse, il creusa souterrain qui mène à l'abbaye et il enfouit la chapelle dans le souterrain. Vous avez dit le puits de l'arbre ? Mais l'ancien château de Montsalvis s'y dressait. Suivez-moi. Nous sommes au puits de l'arbre. Les fondations du château de Mandulf ont servi à bâtir ce château détruit par ordre du roi Charles. Il ne reste que cette tour. Je ne m'en souviens que trop bien. Je croyais enfin toucher au bonheur. Et ce fut le début de nos plus dures épreuves. Merci, mon révérend père. Nous partirons donc d'ici. En suivant cette vallée, vous rejoindrez Carla. Rentrons à présent. Vous semblez bien lasse, dame Catherine. Il y a 8 lieues d'ici à Carla. Ce n'est pas ce qui me tourmente. C'est vous. C'est Montsalvis. Combien de temps tiendrez-vous contre Vilandrado ? Si vous pouvez nous envoyer quelques secours de Carla ou d'Aurillac, nous tiendrons assez longtemps pour vous voir revenir. J'ai déjà vécu 2 sièges. Ce sont de durs moments, mais il suffit d'avoir assez de patience et de caractère. Pour le reste, Dieu décide. Et je sais que j'aurai en Joss le meilleur des lieutenants. Il est sage, prudent, et il sait se battre. N'ayez crainte, dame Catherine. Nous résisterons, et mieux que ce pourpoint, je l'espère. Pourquoi refusez-vous si obstinément de porter l'armure ? Nous avons tant besoin de vous. Je ne me sens pas à l'aise dedans. Ces carapaces de fer, il faut les porter dès l'enfance. Enfin, à part ça, tout est prêt, dame Catherine. Béranger s'est même procuré un sac à grains. Il dit que ce sera plus facile pour porter le petit Michel sur son dos. Le gamin est ravi de voyager comme ça. C'est bien. Je prendrai Isabelle. Isabelle est très bien là où elle est. Elle dort dans ce panier aussi bien que si elle était dans sa chambre. Oh, mais quelle mine, toi, dis donc. Ne te tourmente pas. Le grand air me rendra mes couleurs. Vous prierez pour nous, mon père. Et pour qui prierai-je, sinon pour vous? Et pour la libération de Paris qui nous rendra Messire Arnaud et notre comtesse? Il est temps de partir. J'ai enfin le droit de vivre en paix dans cette maison que j'aime. Vous ne faites pas très bon ménage, la paix, toi. Mais j'espère qu'un jour viendra où vous vous raccommoderez. Un jour, dans un mois, dans un an. Ou dans un siècle. Vive nous, les braves Parisiens! S'ils n'avaient pris les armes et ouvert les portes, nous serions encore devant les murailles. Par ma foi, mon cousin, s'il vous prenait l'envie d'être roi de France, je crois que vous n'y aurez guère de peine. Ne vous y trompez pas, Dunois. Je ne suis qu'une image. Il voit en moi la résurrection d'une ville, la plus misérable après avoir été la plus brillante. Ils acclameront plus fort encore le roi Charles quand il viendra. Ou le roi Charles ne semble guère pressé, sire connétable. Et voilà Montsalvis qui grogne. Vous aussi êtes ressuscité, décidément. Alors, Tristan, c'est ici mon logis. Eh oui, monseigneur. Il n'en reste plus guère qui soit en état. Cet hôtel est du nombre. Milord Bedford s'y plaisait, paraît-il. Méfiance, alors, méfiance. Mon ex-beau-frère a toujours eu un goût déplorable. Comme tous ces matins d'anglais. Ah,
Messire de l'Allier. La ville est vôtre, monseigneur. Pourtant, il reste la Bastille, et c'est là une grave question. Les plus notables parmi les anciens occupants et leurs fidèles français les plus dévoués s'y sont enfermés à la nouvelle de votre victoire. Sont-ils nombreux ? Près de 500. Avez-vous des noms ? Certainement. L'ancien gouverneur Robert Willoughby et ses hommes. Messire Louis de Luxembourg, chancelier pour le roi d'Angleterre. L'évêque de Lisieux, Pierre Cochon. Le bourreau de la Pucelle ? Nous le tenons ! Par Dieu, modérez votre joie, messire. Car nous ne le tenons pas encore. La Bastille a de bonnes défenses, on n'en vient pas à bout facilement. Vous avez encore d'autres noms ? De bien moindre importance, monseigneur. Sinon, peut-être l'un des plus puissants bourgeois de Paris. Le maître de la grande boucherie, Guillaume-Pierre Legoix. Bien, qu'as-tu ? Rien ? Qu'allez-vous donc faire ? Donner l'assaut ? Votre conseil, mon cousin ? Donner l'assaut, c'est rallumer la guerre en plein Paris. Et la ville est si heureuse d'en avoir terminé. Le vôtre, Montsalvi ? Que fait-on d'un nid de vipères, monseigneur ? On l'écrase, ou l'on y porte le feu. Et vous, messire prévôt des maréchaux ? La Bastille étant serrée sur sa moitié par tout un quartier très populeux, l'assaut, et plus encore la défense, y causerait de grands ravages. Il y aura le feu, la moitié de la ville peut s'embraser. Essayons au moins de parlementer. Parlementer ? Avec un cochon ? Avec un Legoix ? Non. Parlementer avec un Luxembourg, avec un Willoughby. Ce ne sont pas des traîtres, mais des ennemis et qui ont toujours respecté les lois de la guerre en bon capitaine. Messire de l'Allier, et vous, messire Échevin ? Je crois être l'interprète de tous, ici, en vous suppliant de parlementer, messire connétable. Bien. Tristan, vous dépêcherez mon héros, Pain-Tièvre, auprès de ceux qui tiennent la Bastille. Qu'il nous envoie des gens de bien choisis parmi eux afin de discuter de leur reddition. Et puis-je savoir quels seront les termes de la discussion ? Il se peut qu'ils craignent un piège. Ils refusent de vous envoyer qui que ce soit. Eh bien, en échange de la forteresse, ils auront le droit de quitter Paris, sans délai. Vous allez leur rendre la liberté ? La liberté pour des bourreaux ? Pour des assassins ? La liberté pour un cochon ? Je ne vous permets pas de discuter mes décisions, Montsalvi ! Je ne puis refuser aux uns ce que j'accorderai aux autres. Je veux la Bastille sans qu'il en coûte une goutte de sang de la population. Il faut compter avec les réactions de cette population. Ceux de la Bastille le savent. Ils peuvent craindre qu'à leur sortie, un mouvement de foule. On les hait. Alors, une fois les accords conclus, vous ferez proclamer ceci dans les carrefours. Quiconque attaquera ou molestera les réfugiés à leur sortie de la Bastille en répondra sur sa tête. J'en donne ici ma parole. La parole du connétable de France pour protéger ces canailles. Et pour qui aura trop de haine au cœur pour supporter de les voir se pavaner à l'air libre ? Quel châtiment ! La mort. Je commande, Montsalvi, et j'entends être obéi. Veuillez le suivre et tenter de le raisonner, mon cousin. Je crains fort cette tête chaude. Thank you.
nous chasse, mais nous reviendrons. Bien aimé, te voilà vengé. Alors c'est ça, Paris ? Oui. Mon Dieu. Je ne dois pas vous décevoir, mais je préfère Aurillac. Vous ne me croirez jamais si je vous dis que c'était une ville superbe jadis. 20 ans de guerre et d'occupation anglaise ont laissé leur marque, Béranger. C'est tout de même plus grand qu'Aurillac, non ? Oui. Nous sommes ici sur la montagne Sainte-Geneviève. Et dans un instant, vous passerez près de ces grands collèges dont vous rêvez. C'est vrai ? C'est ici le pays du savoir. On l'appelle le quartier latin. Waouh ! Tristan ! Tristan l'ermite ! Catherine ! Catherine de Montsalvi, à Paris ! Ah, depuis quelque temps, le ciel n'est pas avare de miracles. Vous êtes toujours aussi belle. Oh, et vous ? Mais c'est que je vous regarde, vous êtes superbe, un vrai capitaine. Quand on suit le connétable en guerre, il est bien difficile de ne pas porter l'armure. Mais c'est peu confortable et je ne raffole pas. Vous me surprenez. Mais qu'avez-vous fait du dauphin ? Il a consenti à vous lâcher ? Ben, il m'a prêté. Mais vous, que faites-vous ici ? Je savais bien que la nouvelle vous ferait accourir, mais si vite, cela tient du prodige. Mais de quelle nouvelle voulez-vous parler ? Mais... Comment, ce n'est pas pour lui que vous venez à Paris ? Oui. Arnaud, mais si, bien sûr que si, que c'est pour lui que je viens. Mais où est-il donc ? Ben, à la Bastille. Oh mon Dieu, mais pourquoi ? Ben, il est à la Bastille pour avoir gravement désobéi au connétable, vous ne le saviez pas ? Comment voulez-vous que je sache, j'étais en chemin ? Alors il est encore en prison ? Plus que jamais, hélas. Avez-vous déjà décidé où vous alliez loger ? Mon Dieu, non. J'en arrive à douter qu'il existe encore une auberge ouverte à Paris. Rassurez-vous. Les Anglais et leurs collaborateurs s'étaient réservé quelques endroits agréables. Mais je vais vous y conduire. Mais qui est ce garçon ? Mon page, Béranger de Roquemorel. Un poète et un grand pêcheur. Un grand pêcheur, à son âge. Ah, mais attention, je ne suis qu'un pêcheur à la ligne, messire. Je crois que l'église n'y voit encore aucun inconvénient. Ah. Suivez-moi. Oh, messire le prévôt des maréchaux, quel honneur! Que puis-je pour votre service? Maître Renaudot, votre meilleure chambre pour madame de Montsalvi, qui est de mes amis. Mais tout de suite, si vous voulez bien me suivre. Prévôt des maréchaux? Mais dites-moi, Tristan, vous êtes devenu un personnage important. Vous savez ce que c'est? Ma foi, pas du tout. Cela veut dire que j'assume à moi tout seul la police militaire des armées du roi. Ah, seulement. Ben, voilà que vous tombez dans l'excès contraire. Ce n'est pas négligeable, après tout. D'autant que je suis aussi grand maître de l'artillerie, capitaine de Conflans. En vérité. En vérité. Vous êtes aux mains d'un homme en pleine ascension, ma chère. Aucun doute. Aujourd'hui est un jour faste pour moi. Me direz-vous ce qui me vaut cette joie ? Un événement qui n'a rien de joyeux, hélas. Je suis venu demander du secours. Vilandrado assiège Montsalvi. Vilandrado ? Puisque vous êtes chargé de la police des armées, mon ami, vous devriez apprendre à connaître ce genre de capitaine. Il sert un peu le roi et beaucoup lui-même. C'est le drame qu'entraîne le traité avec la Bourgogne. Les soldats désœuvrés pillent et volent comme au temps des grandes compagnies. Il en aura d'autres à ma complot ignoble contre Arnaud. Je venais l'en avertir.
Enfin, s'il était à la Bastille, personne ne peut l'atteindre. C'est au moins ça. Mais qu'a-t-il donc fait au connétable ? Est-ce si grave ? Très grave, Catherine. Il joue sa tête. Seigneur Dieu. Il a tué, de sa main, Guillaume-Pierre Legoix, maître de la Grande Boucherie. Mon oncle Legoix ? Mais Arnaud ne faisait que venger son frère. Sans doute. Mais sur un homme qui avait la parole du connétable. Et qui pensait donc qu'il ne lui arriverait aucun désagrément. Le connétable avait été très net. Serait puni de mort, quiconque attaquerait ceux qu'il avait graciés. Il l'avait fait proclamer par toute la ville. Mais le connétable est le parrain de notre fille. Oui, mais votre époux a obligé le connétable à manquer publiquement à sa parole. Vous détestez donc Arnaud. Maintenant, Catherine. Je ne pense qu'à vous. Un homme qui a une femme comme vous et qui se conduit comme il le fait ne mérite guère d'estime. Oubliez cela. Si vous ne pensez qu'à moi, sauvez-le, lui. Je m'en doutais. Aussi avais-je déjà réfléchi au moyen de le tirer de ce mauvais pas. Qu'allez-vous faire ? Dites vite. Allons dîner. Je meurs de faim. Et vous allez avoir besoin, une fois de plus, de toutes vos forces. Allons, que diable ! Il n'est pas encore mort. Dites-vous bien, mon garçon, que tous les écrits de Galien sont approuvés par notre mère, la Sainte Église. Et qu'il ne saurait être question, surtout pour un étudiant comme moi, de ne pas être de son avis. Or, moi qui vous parle, j'ai rencontré à Grenade un très savant médecin qui faisait des choses extraordinaires. Dame Catherine ! Je rêve. Gauthier ! Mais vous connaissez ce garnement, madame ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Après les chauffourées de l'autre jour, le recteur t'avait enjoint de disparaître. Mais Tristan, que signifie ? Ce garçon est un dangereux fauteur de troubles. Et il est pour le moins étonnant que vous vous donniez l'air d'être son ami. Mais c'est vous qui l'avez fait entrer à mon service. Moi ? Oui. Souvenez-vous, lorsque j'ai quitté Loche, vous m'avez confié à l'homme le plus digne de confiance. C'était lui ? C'était moi, Gauthier de Chazet, pour vous servir. Mais ce n'est pas sous ce nom-là que tu es étudiant. Que diraient mes ancêtres ? Gauthier Languille, c'est bien assez bon pour un écolier. Mais sire Prévost, ne m'aviez-vous pas promis à souper ? Ou était-ce une promesse de Gascon ? Pardonnez-moi. Maître Renaudot. Messire Prévost. Donnez-nous une table pour trois. Oui. Pour quatre. Ah, et ce que vous avez de meilleur dans votre cuisine. Oh, messire Tristan, oh. Vous allez prendre place dans mes prières d'action de grâce. Il y a fort longtemps que je n'avais pas vu tant de bonnes choses réunies. Et Margot, comment va-t-elle ? Elle va comme moi, maigrement. Elle a ouvert un commerce de soirée rue des Haudriettes et... Le commerce va bien, mais ni la soie, ni l'argent ne font engraisser quand les vivres manquent partout. Dame Catherine, elle va être folle de joie de vous retrouver. Oh, chère Margot, vous nous auriez vues toutes les deux dans le harem du calife de Grenade, vêtues de gaze et de mousseline. Oh, j'aurais donné cher pour voir ça. Et moi, tout en rouge, habillé en eunuque, vous imaginez ? J'imagine. Mais... Pour évoquer une citation plus actuelle, quoique moins exotique, ce complot de Vilandrado contre Monsaldi. Quoi ? Ce chien pelé de Vilandrado est encore de ce monde. Il a souri, Gauthier. Vous comprenez à présent ? Il faudra que le connétable s'occupe sérieusement de ce Castillan. Mais vous disiez tout à l'heure que vous aviez une idée pour sauver Arnaud. La plus simple de toutes, Catherine. Si quelqu'un peut le sauver, c'est vous seule. Mais comment ? Il faut que vous parliez à Richemont. Moi ? Je vais demander une audience pour vous. Merci, mon ami. Mais il a tout mangé. Qu'est-ce que c'était ? Des anguilles ? Elles étaient très bonnes. Ah, des anguilles. Petit misérable, et moi alors, qu'est-ce qui me reste ? Tout ce que vous voulez, parce que moi, j'ai...